Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui c'est Monsieur Max 01 et aujourd'hui on se retrouve. Oh là là, petit bruit de lampe assez bizarre. Oui. Mais la lampe, tu veux bien te calmer? Non? Non, d'accord. Bon, c'est rien. Elle m'a coupé, merci la lampe. Aujourd'hui on se retrouve sur Portal. Portal qui est un jeu sur lequel j'ai toujours voulu faire des vidéos. C'est pas un jeu récent, enfin c'est pas un jeu récent, c'est pas un jeu que j'ai eu nouveau. Et j'ai particulièrement bien, enfin c'est pas mon préféré, il y a le 2 qui est mon préféré, vraiment celui que j'ai le plus apprécié. Mais je voulais vous faire des vidéos sur ce jeu pour qu'on voit l'origine, pour qu'on découvre. C'est un jeu qui est assez court, il dure en 2 heures il est fini. D'ailleurs je vais probablement enregistrer tout d'une traite. Puis tout couper à la fin et moi-même faire les montages. C'est pas difficile. Le jeu, comme vous l'allez voir, le jeu est court, rapide, mais le jeu n'en est pas pour autant désagréable. On va directement commencer avec le tout premier, le chapitre 1. Déjà, on voit les animations, ben, sont classe. Hein. J'ai une bonne sensibilité. Ouh là là. Avant, arrière, gauche, droite, oui. Petit panneau. Hop, toilette. Non, raté. Bonjour et bienvenue au centre d'enrichissement assisté par ordinateur d'Aperture Science. Nous espérons que. C'est un peu fort, il me semble. On va régler ça. Appliquer. Voilà. Votre détention dans le caisson de relaxation s'est bien passée. Votre échantillon a été traité. Nous pouvons maintenant procéder au test. Ok. Avant de commencer, vous devez savoir que même si le divertissement et l'apprentissage sont au cœur des activités du centre, vous risquez de subir des lésions irréversibles. Pour votre sécurité Merci. Et pour la sécurité d'autrui, veuillez ne toucher à rien. Incompréhensible en espagnol. Le portail s'ouvrira dans 3, 2, 1. Non, ma radio! Ma radio! Donnez-moi ma radio! Je veux ma radio! Non! On va prendre le petit panneau alors. Oh! Oh, baby! Look at me! Yeah, yeah, yeah! Yeah, yeah! I'm on the beach! Oh, désolé. Faut pas que je commence à faire le panda moqueur. C'est plutôt mauvais. Bon. Déjà, il y a une caméra qui nous observe. Bon, oui, pour ceux qui ne savent pas. Ceux qui ne savent pas ce que c'est Portal. Portal, c'est un jeu assez simple où on va passer de salle de test à salle de test. Et on va devoir résoudre des énigmes et des parcours afin de passer à la salle de test suivante. Le principe est très simple et pas du tout compliqué. Vous devez retourner dans le sas après avoir complété chaque test. Après chaque. J'attire votre attention sur le champ de particules incandescentes devant la sortie. Ah, il est parti dans l'infini. L'infini de l'ascenseur. La ventilation matérielle d'Aperture Science vaporisera tout matériel non autorisé la traversant. Prenons comme exemple le cube de stockage lesté d'Aperture Science. Oui, bon, revenons-en. Après, en fait, vous êtes dans un centre, un laboratoire qui s'appelle Aperture Science, comme on voit ici, qui est contrôlé par un robot qui s'appelle GLaDOS, et pour lequel on va devoir passer de salle de test en salle de test. Je vais pas vous en dire plus, le scénario, on va le découvrir. Excusez-moi, on va le découvrir assez rapidement. Le seul problème de ce jeu, c'est d'ailleurs un problème qui est mis dans le 1 et dans le 2, les temps de chargement. Oh, j'entends la radio. Placez le cube de stockage lesté sur le giga bouton d'extra collision d'Aperture Science à charge supérieure de 15 000 mégas. Ok. Hey! Ah, les enfoirés. Bon, allez, dépêche-toi. Fais-moi réapparaître ce portail. Yeah! Je suis où là? Je vais aller là, moi. Allez, c'est bien. Vite! Prends ce cube! Ouh, j'ai de la chance. Parfait. Retournez rapidement dans le sas, car les effets d'une exposition prolongée au bouton Quoi? N'entrent pas dans le cadre de ce test. Non, le portail ne s'est pas ouvert. Ok! Oh, le portail ne s'est pas tout. C'est pas. Il ne s'est pas ouvert, donc on va devoir retraverser, parce que je sais pas si c'est passé, mais. Le portail a bugué. Il n'y a rien de mieux quand ça arrive comme ça, petit bug du jeu où tu peux pas. Mais bon, j'ai de la chance.
Bon, les premières salles sont souvent pas très difficiles dans le jeu. C'est tout bête. Aperture. Yay. Oui. Oh, on voit les particules. Oh, ok. Voilà, voilà le grand problème en fait. Que ce soit de ce jeu, ou du premier ou du deuxième, c'est les temps de chargement qui peuvent être soit longs, soit dérangeants. Veuillez noter que les saignements bucco-dentaires n'entrent pas dans le cadre de notre protocole de test. Mais il peut arriver que la grille d'émancipation matérielle d'Aperture Science occasionne des effets secondaires au niveau des plombages, des couronnes, de l'émail et des dents. Pourquoi pas? Ok, un portail. Merci bien. Je peux pas récolter ce lanceur de portail. Yeah, vous êtes désormais en possession du générateur de portail d'Aperture Science. Celui-ci vous permet de créer des portails. Ces portails interdimensionnels sont sans danger. Contrairement au générateur, ne touchez pas le faisceau du générateur. Ne regardez pas directement le faisceau du générateur. Oui. Tenez le générateur à l'écart de tout liquide. Plus important encore, vous ne devez en aucun cas sortir. Merci GLaDOS qui vient de complètement bugger. GLaDOS le beau robot. Ah, des particules. Oh, la gravité commence à reprendre. À prendre le dessus. Gravité. Non. Oh. Oh, attendez. Je rêve ou on voit. Oh, on peut voir le logo d'Aperture. D'Aperture Science. Bon, hop. Dirigez caméra, ton. On te casse. Attention à la main. On te casse. J'aime pas les caméras. Hop, on te prend. Tu pars là-bas. Et... Afin de garantir la bonne exécution des activités autres, bien, le programme a mené votre fille au bureau d'A. Votre fille? Aussi un problème de ce jeu, j'ai l'impression, c'est que les dialogues se coupent assez vite. C'est assez bizarre. On fera la comparaison avec le 2, ça pas de problème. Mais comme vous venez de le voir, je suis passé dans l'ascenseur, les dialogues se sont coupés instantanément. Soit on a le temps de les lire, soit on n'a pas le temps. Soit on n'a pas le temps de les écouter. Merci, c'est plutôt sympa. Pour votre sécurité, veuillez ne pas détruire les appareils de test vitaux. Tenez une caméra. Ouais! Enfin, non, une caméra, une radio. Yeah! 85.2 FM! La radio qui danse! La radio qui fait bouger ton corps! Bébé! Hop! Allez, bébé, bouge ton corps! Là, 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 là. Allez, bébé! On va prendre un peu plus près la radio. Allez, bébé! Fais bouger ton corps. Allez bébé. Oh yeah. Oh bitch. Yeah. 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 I'm so pretty. I'm so pretty. Yeah. 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 Bon, on va arrêter avec ça. On va aller chercher le petit cube. Hop. C'est un troll. Allez, viens là. Ah. Oh, la gravité a repris. Oui, il faut savoir une chose aussi, c'est que avec ces... Très beau travail. Ces petits portaux, vous... Conformément au protocole de test, vous ne serez pas surveillé dans cette salle. Vous serez livré à vous-même. Ok. Bonne chance. Les portaux nous... Enfin, les portaux, le porteau bleu et les portaux orange, nous ramènent toujours au point initial et ils ont une gravité qui est assez... Enfin, ils ont une capacité assez intéressante que l'on peut exploiter dans... Qu'on exploitera à un moment. Vous verrez, c'est assez bien. Ce jeu a d'ailleurs reçu de très très bonnes critiques. Si vous cherchez un peu sur internet, vous verrez que celui-ci a été très bien reçu, et le deuxième a été, un succès. Ces objets sont indispensables à votre succès. Veuillez ne pas détruire les appareils de test. Oui. Maintenant, je montre comment, moi, là-haut. Si on met ça là, est-ce que ça fait quelque chose? Oh, on peut poser des portaux à terre. C'est plutôt intéressant. Et où est le dernier cube? Il est là. Ok, des barres. C'est un cas très rare, mais c'est la première fois que je fais ça. Hop là.
Allez, la gravité. Enfin, allez, le cube. Toi, tu te bouges. Toi, tu vas venir avec moi. Il n'y a pas une autre caméra, non? Non. Mais il y a une radio! Yeah! Protocole de test. Vous faire croire que vous ne seriez pas surveillé dans cette salle était une information fabriquée de toutes pièces. Hop! Bon travail. Conformément au protocole de test, nous cesserons de masquer la vérité dans 3, 2. Nous cesserons de masquer la vérité. Ah! GLaDOS! Oh, l'infini. L'infini de l'ascenseur. GLaDOS, masquer la vérité. Magnifique. Bon, petit temps de chargement, ok. À chaque fois que ça me fera ça, ça me fera rire. Ah, oh, attention. Oh, une boule d'énergie. Un principe. Oh. La sécurité est au cœur des préoccupations du centre d'enrichissement. Toutefois, les sphères ultra-énergétiques d'Aperture Science à gauche de la salle peuvent provoquer des lésions irréversibles. Yeah! Energy! Vous devez faire la fierté de vie du sujet. Les réponses toutes préparées pour les sujets de test. Les différents sujets de test. Il faut savoir une chose aussi, que ce soit dans l'univers de Portal, il n'y a pas qu'un sujet de test. Vous incarnez un sujet de test qui s'appelle Shell, qui est une femme. Mais il existe beaucoup d'autres sujets de test que l'on pourra rencontrer. Enfin, on ne les rencontre pas, mais on voit les équipements mobiles doivent être munis d'avertisseurs audibles. Cependant, les alarmes et les feux de détresse semblent perturber les sphères ultra-énergétiques. Pour votre sécurité, elles ont été désactivées. Ok, pour votre sécurité. Good idea. Mais où est l'orange? J'ai énormément de chance. Bien. Utilisez maintenant c'est le chauffage non stationnaire d'Aperture Science pour atteindre le SAS. J'ai manqué d'y passer. Oui. Ah, d'accord. Oui, c'est la légère attente. Ça, y a pas de problème. Attention. Oh, oh yeah! Bon, allez, dépêche-toi, s'il te plaît. On peut voir ici... Est-ce qu'il y a une touche zoom? Non, non. On peut voir ici les labos des petits scientifiques qui vous surveillent pendant que vous faites vos petits tests. Qui sont d'ailleurs très compliqués, hein. On va pas se le mentir. La physique des particules... Yeah! Rebondissez, rebondissez! Allez, le chargement. Normalement, on va se ramasser un chargement. Et j'avais dit. Chargements sont faciles à prévoir. Hop, ça voilà. L'échec n'est pas sans conséquence. Si vous touchez le sol de la salle, la mention insatisfaisant sera portée sur votre rapport officiel et sera suivie de votre mise à mort. Ok. Merci, ma cocotte. Tu es gentil, hein. Contrôle pour ramper. What? Ils appellent ça ramper. Ouais, mais comment je fais, moi? Il y a un problème qui se pose. Hop, on attend que ça passe. On y va. Et ici, je vois pas comment on peut faire. Quoi? Comment est-ce qu'on peut le faire ici? La solution est toute simple. Vous êtes probablement en train de crier pour savoir comment. Enfin, pour me dire comment faire. Je réfléchis juste un peu. Ça me paraît bizarre que la boule. Si on la met par là. Ok, ça marche pas. Je suis déçu. Non. Ah, d'accord. Ok, oui. La solution est toute simple. Je viens de comprendre à l'instant. Il suffit juste de faire ça. Ok. Ok. On a toujours la petite indication rouge pour vous dire où mettre le portail. Merci. Aperture, Science and Innovation. Voilà. Oh yeah. Oh, la petite radio. Y'a là. Y'a là. Non. Radio, je t'aimais.
Je t'aimerai toute ma vie. Très impressionnant. Merci. Toute situation dangereuse sert uniquement à améliorer le déroulement de votre test. Et merci. GLaDOS est assez sympa, elle a un humour assez noir bien sûr, en même temps c'est un robot, donc pas de sentiments, pas de... C'est un robot quoi. Le centre d'enrichissement a le regret de vous informer que ce test est impossible à résoudre. Débat. Il est inutile d'essayer. Oui, on va te croire. Alors, comment est-ce que ça se procède ici? Il y a un bouton, mais... Oh, radio! Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a une chose. Je veux toucher la radio. Radio! Ok. Cette salle de test est hors service. Le centre d'enrichissement vous présente ses excuses. Ah, c'est bien la première fois que GLaDOS s'excuse d'une chose. Je vais là. What? On décale. Yes! La radio! Le centre d'enrichissement tient à renouveler ses excuses suite au problème occasionné par un environnement de test insoluble. N'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes? Hop là. Ouf. Hop. J'ai oublié ma petite radio. On a eu la radio, on va pas pouvoir l'emmener. Vous avez fait preuve d'une grande ingéniosité, malgré une situation des plus décourageantes. C'est vrai que c'était très dur. Merci GLaDOS. Thank you. Aperture, aperture. Comme vous voyez, quand on tire sur le symbole aperture avec le... Ok. Avec le générateur de portail, on peut voir qu'il y a... des particules... Enfin... On peut voir le double du... Le double du logo. Bonjour. Vous savez pas ça? Vous à renouveler notre avertissement. Ce test exige une grande maîtrise. Ok, c'est difficile, hein. Ok, débarque. Yay. Passé. Vous avez compris l'influence des portails sur la dynamique, ou plus exactement, leur non-influence. Exactement, GLaDOS. Tu es mignonne. Où est la radio? Where was it? Where was she? Oui, une chose importante dans ce jeu, c'est qu'on ne peut pas mourir des dégâts de chute. On a... Oh là là. On a... des espèces de bottes qui nous permettent... Oh, dommage. On a des espèces de bottes qui nous permettent de résister aux chutes. Ce qui est quand même assez pratique quand on doit faire des sauts. Yes! Des sauts assez imposants. Transition rapide, 1 sur 26. Oula! Qu'est-ce qui s'est passé avec la radio? J'ai eu l'achievement. Mais... Tu vois comment ça se fait que j'ai eu ça? On va sauter. Hop là! La dynamique, procédé de masse et de vitesse, est conservée entre les portails. Autrement dit, pour ce cours ce de qui physique. Entre rapidement sort rapidement. Hop, hop là. Oh là, par contre, oui. Les animations de la dynamique, comme elle vient de l'expliquer, sont assez lentes quand même. Bon, c'est pas dérangeant, mais. C'est retravaillé dans le dos et c'est bien meilleur. Là, vous voyez, j'avais la tête en bas, j'étais sur le sol. Ça fait oh, rotation. Chargement. Voilà, toujours les petites. Oula. Petites particules. Bon. Le centre d'enrichissement vous garantit un environnement de test sans danger. Coucou toi. Il s'engage à vous fournir de précieux conseils dans les environnements de test les plus dangereux. Merci. Exemple, le sol de cette salle vous tuera. Tâchez de l'éviter. Merci pour le conseil. Quoi? Attendez. Ah d'accord, oui.
Ouais. C'est bon. Ça c'est bon, il faut juste attendre qu'on aille de l'autre plateforme pour éviter de se ramasser des grosses patates. Ok. J'aurais peut-être dû me décaler, hein. Non. Bon, bah, en attendant, on flotte. Même quand on meurt, c'est magnifique. Bon, oui, le petit bleu. Allez, dépêche-toi. Merci. Qu'est-ce que c'est lent. Yeah, je veux le double générateur de portail. Allez, allez, monsieur. Voilà. Ça a marché. Yeah. Le générateur a été modifié de manière à créer simultanément deux portails reliés. Dans le cadre d'un protocole de test facultatif, nous avons ajouté une situation cocasse. Le générateur est désormais plus précieux que les organes et la somme des revenus des habitants de la ville du sujet. Merci, les messages préenregistrés. Rien ne me fait plus plaisir. Oh, on peut voir quel portail il faut poser. Pas mal, ça. Pas mal, pas mal, pas mal. Pas mal, le top du top, hein. Top, top délire total. Hop là. Je me rends compte que j'écoute quand même, j'entends quand même une radio. Hôtel. Bon, c'est rien, tant pis. C'est pas la radio le plus important, c'est quand même cool de les trouver, mais hop, c'est rien. Yay, yeah, yeah. Hop, 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 hop. Mélange de couleurs. Si j'aimais tes... Emerge de couleur. Oh, oh merdes. Bon, on va arrêter sur cette interlude musicale. Oui, oui. Préparez-vous à juste sauter. Ok. GLaDOS, tu as un problème, je crois. Eh, GLaDOS, mais arrête. Bon. Oui. Oui. J'entends une radio. I heard the radio. Where is the radio? Radio, gaga. Oh! Ok. Ok! Faut que je trouve un cube. Le cube est là-haut. Donc, Oui. Le temps de génération de ce portail est estimé à 5 ans. Y a moyen de foncer tout droit ou pas? Y'a pas. Non. On va essayer de bien tomber, voilà, on ne sait jamais. Maintenant il faut remonter là-haut de toute façon. Yeah, yeah. Nous. Alright. GLaDOS a beaucoup de bugs, il me semble. Non, c'est GLaDOS, hein. Elle s'améliore de jour en jour, n'est-ce pas? C'est pas GLaDOS, hein? Merci pour le blanc, merci pour le temps de chargement surtout. Waouh. Bon allez. Et niveau 13. Oh, 19 salles. Vous contrôlez désormais les deux portails. Le test qui suit peut s'avérer très très long. Si vous avez la tête qui tourne, n'hésitez pas à vous évanouir. Nous vous enverrons une sonde d'intubation contenant de la pepsine et de l'adrénaline pour vous réanimer. J'aime l'univers assez trash comme ça de portal. Oh, des boules. C'est un univers qui me plaît. Ça me plaît. Hé, hey, toi. Appareil de test vital détruit. Ça, toujours. Qu'est-ce que tu crois, moi? Une racaille. Racaille. Brr, brr. Brr, brr, brr. Brr, 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 brr. Oh. Oh oui. Tu veux t'activer, comment t'actives? Ok, mais comment cette chose peut-elle me faire des dégâts? Na! Bra! Bra! Get ready! Ok!
Je comprends pas ce qui se passe. On va laisser faire. On va replanter les portails, les portaux. Ok, d'accord. On a tous besoin une fois de test ce que ça fait cette grosse boule d'énergie. Vous contrôlez désormais les deux portails. Le test ici peut s'avérer très très long. Oh, si débarque. La tête qui tourne, n'hésitez pas gros troll, à vous évanouir. Nous vous enverrons une sonde d'intubation pour de oui. La Pepsi et de l'adrénaline pour vous réanimer. On ne sait jamais. Ça peut être des petits coquins. Hé, coquins. Hé. Raté. Raté. On va essayer de bien le placer. Allez, viens là. Yeah. Oh. Je l'ai eu. C'est un troll. Oui. What? Expliquez-moi la cause qui fait que je meurs plus avec une radio. Avec un cube sur la tête. Qu'est-ce qu'il est ? Ah, d'accord, je ne le voyais plus. Oui, petit cube. Est-ce qu'on peut pas l'avoir comme ça ? Non. On va pas tenter. On plonge ! Bra ! On m'entend marcher ? Ouais, de elle. On va le déposer. Ok, ça a raté. J'ai dit on va le déposer. Yay! Level up! Maintenant il me faut l'autre cube. C'est bon. Qui est où? De toute façon, ça va en même. Ok, ça bug. Voilà. Yeah. Bitch, please. Conformément au protocole de test déjà cité, nous ne pouvons plus vous mentir. Quand ce test sera fini, vous nous manquerez. Ah 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 ah. Ah non, c'est un l'air trop vrai ce qu'elle dit. Comme à chaque fois, GLaDOS dit la vérité, hein. Oui, on le sait tous. Surtout ceux qui connaissent la série Portal. Bon, alors, hop. Excusez-moi, attendez, je vais rallumer la lampe parce que... Oui, quand j'allume ou j'éteins ma lampe, il y a un petit bruit et ça interfère sur mon casque. C'est très bizarre. Ça, le 14. On n'aura pas plus que ça. On va passer en vitesse. Les sujets souhaitant maîtriser la technologie des portails à haute énergie gamma pourront être informés des questions de conformité réglementaire applicables. Aucune autre information de conformité n'est requise ou ne sera communiquée. Vous faites un excellent sujet de test. Merci. C'est sympa de votre part. Moi aussi, je vous aime, savez-vous. Savez-vous ? Une fouet ! Une bonne fouet que vous savez ! Oh, ça lâche. Oui ! Oui ! Oui ! C'est bon. Oui. Et ? On va faire la technique du bunny hopping ! Pour aller plus vite. Une radio. Une radio ! On va tenter d'utiliser une technique mémorable. On le chasser croisé. C'est le problème, c'est que c'est ça. Est-ce que tu as un portail dessus pour interférer? Non. Ok. On va essayer ça. Ok, d'accord. Ah, ils avaient prévu le coup, je pense. Voilà. Oh, mais on saute tellement haut avec cette espèce de boule qui nous sert d'humanoïde. Allez ! Vous savez quoi ? On va faire une technique, un mini tremplin.